Bonjour la famille, Bonjour. bon arrivée. Merci beaucoup. Voilà, vous avez un grand témoignage. Oui. Parce que le médecin des médecins est intervenu dans votre cas, monsieur ça. De Papa Florian. C'est ça. Où la médecine a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est ça. Vous avez même pleuré. C'est ça. Mais le Dieu de Papa Florian a séché vos larmes. C'est ça. Aujourd'hui, vous venez rendre témoignage. Oui. Donnez-nous qu'est-ce qui s'est passé. En fait, moi, je suis dans un service. Je devais rentrer sur Abidjan pour voir ma famille. Et donc, c'est chemin faisant, madame m'appelle et elle me dit qu'ils étaient à l'hôpital de Lokwa, où ma fille a été internée. Là-bas, ils ont fait 2 jours et il y a des ordonnances qui sont sorties de là-bas. On a payé. Mais en lui administrant ces médicaments-là, ça n'a rien donné. Donc, on s'est retrouvé à la PMI, devenue aujourd'hui Hôpital Général de Yokogon. Là-bas, elle a été internée, on a fait 2 jours. Toujours, ça n'allait pas. C'était précisément au niveau de ses yeux et au niveau de sa tête. Un mal aigu de tête. Et puis, ses yeux ne lui permettaient même pas de regarder la lumière du jour pour dire qu'elle va regarder la lumière artificielle. C'était compliqué pour ma fille. Et je suis allé voir le docteur traitant. Je lui ai dit que mais depuis 2 jours, nous sommes là, on a administré des soins à ma fille, rien ne va. Et c'est comme ça qu'elle m'a demandé mon service. Je lui ai dit que j'étais policier. Bon, tout de suite, elle a elle-même pris l'engagement d'appeler ma hiérarchie. Et puis, on a été admis à la clinique les chrysalides de Toit Rouge. Et donc là-bas, on a fait 8 jours, environ 1 800 000. Et quand on a fini les 8 jours, le médecin, le neurochirurgien qui était chargé d'examiner ma fille, de porter des interprétations à des photographies, de scanner, de IRM, nous a clairement dit que là-bas, eux, ils n'avaient pas de réanimation, de salle de réanimation, donc ils devaient nous orienter vers la clinique et les oliviers de nouveau bureau, vers sapeurs-pompiers. Et donc, avant qu'on en arrive, j'ai été scandalisé, j'ai été choqué. Et au niveau de la clinique, la chrysalide. Parce que ce jour-là, je me rappelle encore, le médecin nous a invités, le neurochirurgien nous a invités dans son bureau. Et il a dit que lui, il peut donner des soins. Mais de la manière il voit la chose se présenter au niveau cérébral, au niveau de la tête de ma fille, il n'y a plus de solution. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas, au niveau de l'Europe, amener ma fille là-bas pour que... Il dit, non, tout ça, ce n'est pas possible. Il n'y a plus de solution. Bon, ben, je suis sorti de là et j'ai regardé ma femme, j'ai regardé mon enfant. Je n'ai pas pu résister et je me suis fondu en larmes. Et désespéré, il y a un docteur qui m'a approché, une dame qui m'a approché, qui m'a dit, mais toi, tu es un officier de police, tu es un habitué de ce genre de situation. En période de guerre, c'est l'officier qui dirige les troupes, c'est lui qui donne les instructions. Pourquoi l'ennemi avance et puis bon, tu te laisses ébranler par ce discours-là. Ça a séché mes larmes. Je me suis senti tout de suite dans ma position d'officier qui doit donner des ordres que les sous-officiers doivent exécuter. Donc si l'officier n'est pas là pour donner les ordres, pour que cela soit exécuté sur le terrain, c'est compliqué. Et l'ennemi va gagner du terrain. Donc son message tiré à bout portant sur ma conscience, ça m'a galvanisé. Ça m'a galvanisé et j'ai pris confiance. Ma sérénité a fait que de la clinique Chrysalide, on s'est retrouvé à la clinique Les Oliviers. Là-bas, après un temps passé, le médecin a dit qu'il va certes extirper la tumeur de la tête de ma fille, mais ce n'est pas pour la guérir. Là, on m'avait déjà dit à la clinique Chrysalide, il n'y avait plus espoir. Le neurochirurgien
au-dessus de celui qui m'a reçu à la clinique Chrysalide, celui qui est au-dessus, qu'on a retrouvé à la clinique Olivier, lui aussi, c'est pratiquement le même message qu'il m'a donné. Mais moi, je savais une chose. Je savais que ce n'était pas fini pour ma fille. Parce que lui-même, le médecin, a montré du doigt ses limites. Parce qu'en le disant, il a dit quelque part que lui, il peut certes l'opérer, il peut certes extirper la tumeur de la tête de ma fille, mais ce n'est pas pour la guérir. Mais celui qui peut la guérir, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il a dit dans ces propos-là. Je suis en train même de le paraphraser. Il a dit ça, et là encore, madame s'est saisie de cette parole-là. Et une prière s'est dégagée. Et elle s'est souvenue de l'orientation de sa petite soeur qui est à Londres. Tu lui as dit, bon, Depuis Londres, depuis hein? Londres, elle a appelé sa soeur en Côte d'Ivoire pour lui dire, il y a un monsieur du nom de Papa Florian, ils ont une base ici à Londres que moi-même je fréquente. Il est là pour des cas difficiles, pour des cas impensables, pour des cas compliqués. Lui, il est là pour les décanter. Donc, nous, on s'est saisi de cette parole, de cette orientation. Et ce jour-là, on a quitté la maison vers les 5 heures. Les appels sur les appels. Et c'était un peu compliqué. Bon, on est ici, on vient vous chercher jusqu'à. C'est vers les 10 heures qu'on a retrouvé Papa Fleury. Et donc, ils nous ont demandé de payer de l'huile Le sang de Jésus. qui renvoie au sang de Jésus, et ils nous ont demandé de payer une poudre pour se La purge, purifier, et ils nous ont dit demandé de payer du lait. Et oui. ce jour-là, je suis venu à ma petite famille, j'étais à mon épouse plus mes 3 enfants, donc j'ai payé pour tout le monde. Et donc on nous a donné les prescriptions, une fiche qui pouvait nous permettre, hein, de suivre à la lettre l'utilisation de ces produits-là. L'enfant avait un gros paratonnerre en ce moment sur la En tête, ce hein? moment même, quand on venait, on ne pouvait pas voir la tête de ma fille. C'était un pansement qui couvrait toute la nuque jusqu'au cou. Elle ne pouvait pas mouvoir son cou. C'était compliqué. C'était très compliqué. Et je me souviens encore, ce même jour, Papa Florian lui a offert 3 bouteilles d'eau d'Awaji, un bonbon, en dehors des Les traitements, médicaments, des traitements qu'on nous avait déjà donnés ici. Et j'ai suivi ses gestes. Il avait une pochette, il a tapé un peu sur la tête de ma fille, il a aspergé, hein, sa tête avec du avec du parfum. parfum. Et de là, j'ai pris mon épouse et mes 3 enfants, nous sommes allés à la maison. Donc, quand on est arrivé à la maison, j'ai demandé à madame, on ne dort plus dans les chambres. Et il a dit, cette eau-là, si vous allez, vous allez asperger l'eau dans toute la maison. Et vous allez détruire tout ce qui est du diable dans la maison. Les caméras installées par ça et là, vous allez les détruire. Voilà le message que vous allez livrer quand vous allez arriver chez vous à la maison. Donc on est arrivé tel que orienté. C'est comme ça qu'on a suivi les prescriptions de Papa Florian. Donc la nuit, je dormais. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu dont je ne voyais pas le visage. Dont je ne voyais pas le visage. Qui m'a demandé simplement de localiser le mal de ma fille. Sans même une condition. Il m'a demandé de localiser le mal de ma fille. Donc j'ai localisé. Lui, il était venu pour la guérir dans le songe. Donc j'ai moi, mon rôle qu'il m'a demandé, c'était simplement de localiser le mal. Donc quand j'ai localisé le mal, et puis le reste là, lui est revenu. Et lui, il a Il exécuté. a exécuté. Maintenant, il a touché ma fille dans le songe, tout et tout. Maintenant, dans le deuxième songe, ça y est, après le premier songe là, quelques 2, 3 jours plus tard, je dormais parce qu'on avait mon appartement, c'est 2 chambres-salon. Donc on a laissé les 2 chambres, on est venu, j'ai mis les matelas, tout et tout, à terre au salon. Je dormais là avec mon épouse et mes enfants.
Donc ma petite, elle est couchée vers moi et j'ai senti qu'il y a un poids, un danger. J'ai dit, le fer là, on peut assimiler ce fer là, l'effet de pressing là, dans lesquels les moules là, on met les habits et puis ça tourne. Donc c'est ce fer là qui venait en direction de ma fille. C'est-à-dire que le poids est tel que si ça l'atteignait, c'était fini pour elle. Donc là, j'ai vu le poids venir vers ma fille. Là, j'étais endormi. Mais dans ce songe-là, physiquement, maintenant, je me suis levé. J'ai saisi ma fille. Je l'ai mis à l'épaule. Et puis, j'ai commencé par quitter les lieux. Après 4 à 5 pas, je me suis rendu compte que je n'étais plus sur le matelas. C'est la Donc, réalité maintenant. là, c'est la réalité. Je tourne, je regarde, c'est le matelas qui est là. C'est le matelas qui est là. Et puis, ma fille est sur mon épaule. Là, ce n'est plus un songe. Je vivais la réalité maintenant. Ce n'était plus un songe. J'ai dit, mais donc, voilà. Donc, j'avais été saisi au départ par une peur bleue, mais après, je me suis ressaisi et je me suis dit que c'est quelque chose, parce qu'avant qu'on ne parte, Papa Florian avait dit, si vous allez, tout va se passer en songe. Si vous quittez ici. Et en songe, il y a un ange qui est venu pour apporter la guérison à votre fille. Clairement. Et aujourd'hui, on constate que le sparadrap n'est plus là. N'est plus On là. va voir la partie Oui. qui a été opérée. C'est rouge même, c'est rouge. Oui, on va voir ça ici, mais on va voir ça directement là-bas aussi. Voilà, on va voir ça. Donc, voilà comment c'était. Voilà. C'est-à-dire, l'opération était la nuque jusqu'au cou. Hein. Du cou même, du cou, vous voyez, du cou vers les vertèbres là, jusqu'à dépasser même la nuque, Voilà. On va voir ça. jusqu'au-dessus de la nuque. Il faut. Maintenant aujourd'hui, voilà, Faire la tournée. tout. Vous voyez, ça part des vertèbres. Oui. Faut bien tourner, tourne bien. D'accord, d'accord. Faut t'asseoir, faut t'asseoir sur moi. Faut t'asseoir. Voilà. Vous voyez, ça part des vertèbres jusqu'au-dessus de la nuque. Pas comme ça. Vous pouvez regarder, regarde-moi. Voilà. Mais je signale qu'avant qu'on ne vienne ici, on ne voyait pas toute cette partie. Tout était pansement. Pansement, sparadrap. Le mouvement du cou n'était pas normal comme aujourd'hui. La rotation ne pouvait pas se C'est faire. fait. Et elle avait un cou vraiment cadré. Ça ne pouvait pas se mouvoir comme aujourd'hui. Et une chose importante aussi, avant qu'on vienne ici, sa bouche était pratiquement tordue du Tordu. côté gauche. Aujourd'hui, ça va, hein? Aujourd'hui, vous voyez, Ça m'est tremblé aussi. Ça m'était ça m'est tremblé. paralysé. et puis sa main droite là était pratiquement paralysée parce que quand un tient une clé comme ça ou bien un objet qu'elle doit déplacer de mon genou à la table, il y a un mouvement d'endinement qui suit la main. La main ne va pas directement déposer l'objet, mais avant de déposer l'objet, la main Dandine, tremble, il y a la tremblote au niveau de la main. aujourd'hui qu'elle nous montre qu'elle peut déposer l'objet Faut sur la table. déposer tranquillement. Il n'y a plus de Il n'y temps. a plus ce mouvement-là. Sa bouche s'est normalisée. La bouche s'est normalisée. et puis l'œil au niveau gauche là s'est aussi C'est normalisé. normalisé parce que l'œil était penché aussi. Voilà. Parce que quand on est arrivé à l'hôpital, le médecin, pour continuer de nous choquer, il dit, regardez mon mouvement. Quand je vais faire ça, vous allez voir que
ce n'est plus possible. Voilà, ceci est celui. Voilà, peut-être une œuvre. Mais regardez. Regarde, elle fait le mouvement des yeux. Et puis bon, voilà. Ici, elle fait le mouvement des yeux. Regarde la caméra, regarde ici. Voilà. Tu fais le mouvement des yeux. Voilà. Donc la bouche est redressée, est dans sa position normale. La main n'est plus sous le poids de la tremblote, mais les mouvements de la main aussi sont normaux. Voilà. Elle peut parler, elle peut dire bonjour, il faut dire bonjour. Elle dit qu'elle parle clairement. Il faut dire bonjour, regarde la caméra, dis bonjour. Bonjour. Ah, ça va maintenant, tu es guéri au nom de Jésus. Okay. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans cette affaire, depuis qu'elle est malade, elle n'a jamais quitté des yeux ni la bouche le nom de Jésus. Quand tu lui dis, on va aller dans tel hôpital, elle dit, moi, là, je suis guéri au nom de Jésus. Ouais. Donc, je veux aussi dire que elle-même, sa foi, ajoutée à tout ce qu'on a dit là, je peux dire que sa foi est déterminante. Ça a beaucoup joué dans la balance. Elle tient tellement à Dieu que chaque fois qu'elle est là, elle ne demande que de chanter les chansons de Dieu. Gloire au Seigneur. Quand on est arrivé chez Papa Florian, tous les cantiques qui passaient, dès qu'on entend, elle-même elle finit la chanson. Donc vraiment, on est là ce matin pour dire non seulement grand merci à Dieu qui est le créateur de toutes choses, qui sait ce qui s'est passé au niveau de la tête de ma fille, mais à travers le Dieu de Papa Florian, lui dit aussi merci pour les vies qu'il a commencé par sauver ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. On souhaiterait, et dans le monde entier. Et dans le monde entier. On souhaiterait que Dieu lui donne encore d'autres possibilités, d'autres pouvoirs qui sont même surnaturels, qui sont impensables, des pouvoirs auxquels l'homme ne peut pas croire. Celui que Jésus avait hier, et puis il dit à Lazare, lève-toi et marche de ton tombeau. Tous ces pouvoirs-là, que Dieu lui donne ça, parce que quand il lui donne, il accorde cela à la population. Il met cela à la faveur, à la disposition, au profit de la population. Donc nous, on est là. Si je dois dire merci à Papa Florian, on ne peut pas partir à la maison. Parce que désespéré, c'est son Dieu qui est venu me donner espoir. Espoir. Le médecin avait dit, C'est fini. Le médecin des médecins a dit, non, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Et quand le médecin a dit c'est fini, moi-même je suis témoin. Je pense même que ce n'est pas pour lancer la pierre au médecin, mais ce n'est pas la bonne façon. Tu dis à quelqu'un c'est fini et tu lui fais faire des dépenses de 4 800 000. Tu dis c'est fini et tu lui prends de l'argent. Tu dis c'est fini et tu ne t'arrêtes pas à toi-même ton niveau, mais tu vas jusqu'à flanquer l'information au nez des géniteurs de la petite. Et si nous, on n'était pas forts dans la tête, et si nous, on n'avait pas Dieu dans notre maison, dans notre vie, on pouvait tomber en syncope. C'est pas facile. Cette façon de travailler, je pense qu'ils doivent revoir. Moi, en tant qu'officier de police, si je dois te mettre aux arrêts, je ne vais pas appeler tes parents pour dire, bon, ben voilà, il est tué, bon, il doit faire 25 ans, il ne doit plus revenir en vie, où on l'amène là, c'est fini pour lui. Non, c'est des choses qu'on nous enseigne. Moi, je peux même déférer quelqu'un et puis il va venir de la prison, venir me faire cadeau. C'est la manière, c'est la sagesse. Je pense qu'ils n'ont pas été un peu sages. Mais Dieu a couronné tout ça. Franchement, Dieu qui est le médecin des médecins. Mes larmes ont séché.
grâce à ce Dieu-là. Et mon épouse a retrouvé la quiétude parce que quand je suis là, notre fille est couchée là, et puis je regarde la position dans laquelle mon épouse se trouve, quand je me retire, je n'ai plus l'équilibre dans mon corps. C'est Dieu qui a permis mon équilibre aujourd'hui. C'est Dieu. Sinon, et puis il y a une autre leçon. Tu vas mettre un milliard dans ma main gauche. Tu vas mettre un enfant dans ma main droite. C'est l'enfant que je vais choisir. Parce que l'enseignement que le Dieu de Papa Florian nous a donné aussi, on a compris au-delà de l'enseignement que l'enfant là, l'argent ne vaut pas l'enfant. L'argent, ça ne vaut pas l'argent, un enfant. Parce que, et une autre leçon, ton enfant même peut être malade et puis tu vas dépenser de l'argent. Elle peut ne pas retrouver sa santé. C'est une autre leçon qu'on a sentie aussi. Parce que près de 5 millions environ dépensés, si ce n'était pas le Dieu de Papa Florian, la santé, on s'en fout de tes millions. La maladie s'en fout de tes millions. Quand elle doit s'installer là, elle s'installe et puis bon, elle s'en fout de tes millions. Tu as dépensé millions. Si elle dit elle ne quitte pas, elle ne quitte pas. Mais il y a quelqu'un qui peut dire, donner des instructions, des commandements à la maladie et puis elle va quitter. C'est le Dieu du Papa Florian. Au nom de Jésus. Mais c'est aussi, quand on a fait le contrôle, il a dit. Et il y a un dernier élément que je voulais, même pas un dernier élément. Le médecin qui nous avait dit qu'il n'y avait plus espoir, on finit l'opération, dans l'examen de contrôle, on va faire un scanner, et il regarde le scanner après interprétation, il dit, mais là, toute la plus grosse partie a disparu, il n'y a plus rien. Le médecin lui-même, qui revient pour se dédier, vous dit que ce que j'avais dit hier là, ce n'est plus ça aujourd'hui. Voilà, c'est Dieu. En fait, c'est ce qu'on dit dans notre jargon, c'est toi qui as été en France. C'est toi qui dis qu'en France, il n'y a pas sauce graine. Si aujourd'hui, tu viens nous dire qu'en France là, il y a sauce graine, nous on te suit. Mais en disant hier qu'il n'y avait pas sauce graine en France là, tu ne savais pas que Dieu pouvait pourvoir cela en France. Donc Dieu a pourvu. Sur ce grain à la tête de ma fille. Aujourd'hui, sa santé est là. J'ai causé à ma fille. Comme ils ont donné un mois pour la reprise des cours, et puis à cause des mouvements sociopolitiques dans le pays, elle est un peu à la maison. Sinon, elle est prête pour aller à l'école. Gloire grâce au Dieu de Papa Florian. Papa Florian. Merci. Je te remercie encore une fois au Seigneur Jésus pour sa participation active dans la santé de ma fille. Gloire au Seigneur. Merci. Soyez encore bénis. Merci.